Hey, salut mes petits sorciers! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes vêtements Harry Potter que j'ai. Alors il y a certains vêtements que je ne pourrais pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté et pour combien, parce que ça fait un moment, enfin voilà. Alors on va commencer par le tout premier vêtement Harry Potter que j'ai acheté. C'est un sweat des reliques de la mort que j'ai acheté sur Amazon, ouais. Et il est bien chaud et tout, je le mets quand je reste chez moi. Quand j'ai froid, voilà. Alors ensuite, bien sûr, j'ai toutes les cravates Harry Potter. Dont la première, c'est celle-là, celle de Poufsouffle, que j'ai achetée sur Cdiscount. Par contre, elle est bleu marine au lieu qu'elle soit noire, mais c'est pas trop ouf, mais ça va. Elle était pas chère en plus. Puis après, j'ai la cravate de Serdaigle, c'est de la bonne qualité, c'est très bien. Hein. Et aussi celle de Serpentard, elles sont pareilles, enfin, attends, c'est de la même production, ouais, je l'ai acheté à un particulier, elles sont très bien. Et bien sûr, j'ai celle de Gryffondor, il me la fallait absolument parce que je suis à Gryffondor. Et celle-là, je l'ai achetée à Noble Collection, avec la super belle boîte. Elle est magnifique, franchement. Je l'avais eu avec 10€ de réduction que j'avais gagné à un concours de Errance HP, mais maintenant il fait plus de vidéos, c'est dommage. Et franchement, elle est super belle, la qualité, il n'y a rien à redire. Ensuite, pour les écharpes, j'en ai deux des maisons. J'ai celle de Gryffondor, mais c'est ouais, les premières années de Poudlard, les deux premières, ouais. Mais celle, c'est de Lego Harry Potter. Et puis, j'ai celle de Poufsouffle, que j'ai eu dans un swap avec Sébastien de Baker. Et franchement, elle est super belle, elle me va super bien. Après, j'ai la cape de Gryffondor. Bon, elle est toute petite et c'est une matière qui est légère. Je l'avais eu aussi à un particulier. Elle est bien, franchement, pour se déguiser et tout ça. C'est cool. J'ai ensuite plein de t-shirts HP, bien sûr. Alors j'ai celui-là, Slytherin Quidditch, que j'ai eu par mon copain à Noël, Noël dernier. Et il est trop magnifique. Je suis de Gryffondor, mais j'aime bien aussi Serpentard. Et encore merci à toi, Kevin, pour ce magnifique cadeau. Ensuite, j'ai ces débardeurs Harry Potter, bien sûr, de Avada Kedavra Beach. Et je trouve ça trop cool. J'ai aussi un autre qui a la même coupe que celui de tout à l'heure, qui est Potterhead. Ils me servent beaucoup, ceux-là, je les adore. Ce magnifique t-shirt, il y a écrit Harry et derrière il y a écrit Potter 07. Je l'adore, j'aime bien, ça fait un style de maillot de Quidditch ou un truc comme ça. Voilà, ah oui, et ces deux débardeurs et ce t-shirt, je les avais pris sur Etsy. Et franchement, c'est de la bonne qualité, Etsy. Je vous conseille d'y aller. Et enfin, c'est des vêtements que j'ai pris récemment sur EMP. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une vente en ligne où ils font plein de vêtements sur Star Wars, Harry Potter, sur plein d'autres trucs ou des groupes de musique. Et j'ai pris cette casquette Hogwarts Alumni. Franchement, elle me va super bien. Et ce sweatshirt à capuche à zip de Gryffondor. Je l'aime bien aussi pour... il tient chaud et tout, il est un peu ample, mais j'adore, j'aime bien. Je vous conseille d'aller sur leur site, même si c'est un peu cher, mais c'est de la bonne qualité. Voilà, je vous ai tout présenté, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo de présentation de vêtements. Et puis moi, je vous dis tchuss !